Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le déroulé et la différence avec le relevé. Alors, le déroulé, pli, déroule, retend et pose talon. On plie, on déroule, on retend, on pose talon. Pli, déroule, retend et pose talon. Qui va souvent avec monte, pli, pose talon et retend. Souvent utilisé avec les pointes. Monte, pli, pose talon et retend. Nous faisons souvent pli, déroule, retend, pose talon, monte, pli, pose talon et retend. Les deux seules fois, on a le droit d'être plié sur demi-pointe. À la base, demi-plié, obligatoire, talon au sol. Sur demi-pointe, obligatoire, genou tendu. Sauf pour l'exercice du déroulé. Et l'autre. Pour relever, plie et retend. Et plie, tend. Un relevé arrêté. Surtout pas, plie et relève. Et pose, retend. On plie, on relève, on revient poser et retend. Plie, deuxième temps on est sur demi-pointe, plie, retend. Que pour le déroulé, on est sur le troisième. 1, 2, 3, déroulé. 1, 2, 3, le relevé. Souvent, on utilise et 1, relevé, et 1, deuxième, et 1, 2, et 3. On retend pour les pointes ou pour le demi-pointe. Donc, en exercice, nous pouvons faire pli, déroule, et retend, pose et talon, l'inverse et plie et pose, retend et 1, relevé et 1, deuxième et 5, 6, 7 et retend. Et on recommence une deuxième fois, déroule, retend, pose et talon, on monte, on plie, on pose, on retend et 1, relevé et 1, deuxième et relève, relève, relève et retend. Juste une petite note, lorsque l'on descend pour un grand plié, on passe par le demi, plus bas et on revient par le demi et l'on retend. Surtout pas plier et faire le grand plié et remonter en faisant comme un déroulé. Demi. On descend, on revient par le demi et retend. 1, 2 et 3 et retend. Voilà. Au revoir, à la prochaine.